aujourd'hui suite de Link to the Past, peut-être la fin. C'est ce qu'on espère. Bien sûr, aujourd'hui je suis tout seul, alors Loulou est censé arriver. Bon, ça fait depuis une demi-heure qu'il est censé arriver, mais il a dit qu'il arrivait vraiment dans pas longtemps, il y a genre 2-3 minutes. Alors aujourd'hui, il nous restait pas grand chose à faire. Hein. On a déjà fait 80 sur 109, ça veut dire qu'il nous reste 29 erreurs à faire. Ça risque d'être une session très courte, on ne finira peut-être pas aujourd'hui parce que je pense qu'après 20 minutes, je vais juste arrêter. Hein, parce que vous le savez, moi quand il y a personne, ça ne sert à rien. Hein, voilà, c'est ma philosophie. Et c'est comme ça. Voilà, tout simplement. Donc là, je stream parce que Loulou il a dit qu'il arrivait. Mais je pense qu'il va jamais arriver. Donc voilà. Je vais arrêter de faire cette intonation. Parce que ça vous fait chier. Enfin, ça ne fait chier personne. Parce que personne n'est là. Mais je le fais quand même. Donc on va avoir des erreurs très faciles. Déjà, on va en débloquer quelques-uns. Parce que vraiment, le jeu est d'une facilité. Mais déconcertante, déconcerto. On va aller voir la grande fée. J'ai secoué et j'ai pas été chercher la fée, ça c'est un petit peu de l'art. Salut David. Là, vous êtes prêts pour ce court stream? Ça va me lancer. Ah bah merde, ah bah tant pis. Oh tant pis. Les 2 minutes, bon on verra, au pire YouTube auront un début tronqué. C'est pas plus grave. Donc souvenez-vous, il fallait qu'on fasse tous les donjons du Dark World, mais sans... Très important, hein, mais sans faire les boss, parce qu'il y a plein de conditions chiantes. Du coup, voilà. Dans le cul de stream, oh, j'en sais rien. Peut-être moins. Peut-être moins. Ça dépend de Loulou. Si Loulou avait dit, ouais, je suis crevé, je viens pas ce soir, j'enregistre pas stream. J'aurais fait ce que j'avais prévu de faire à la base, ça n'est rien. Donc, s'il a dit « je viens », finalement il n'est pas là. Ça, c'est terrible. Où est les boomerangs? J'espère qu'il n'y avait pas des errants en mode obtiens-le à sa location dans le village des hors-la-loi ou je sais pas quoi. Là. Mais je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il y ait ce genre de phénomène. J'ai pas le grappe. Ah oui, mais attends. Ah, il faut... Oh là 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 là. Faut que je me rappelle comment on joue à ce jeu. Faut que je me rappelle c'est quoi les paths. Les passes qui se prennent, surtout qu'on peut pas avoir dash ni rien dans cette version américaine. Donc on va prendre la flûte, je pense que la flûte va me permettre de faire plein de belles choses. Et on rappelle qu'on ne prend aucune bouteille, hein, sinon c'est dramatique. C'est la déception. Je pense que je peux pas aller là. Je sais plus. Il y a plein de choses que je me rappelle plus. Alors que je fais le rando, alors que je fais que j'ai fait 50 rando en 6 mois à l'époque. Plein de trucs, je me rappelle. Ça, c'est le donjon 2. Je peux aller dedans pour prendre le grappin, mais surtout ne pas faire le boss parce qu'il faut la fire rod que j'ai surtout pas. Ah, mais si, je pourrais le faire. Donc... Ah, mais non, il faut que je commence par Zelda. Je suis bête. Ramasser les objets en ce moment.
qu'est-ce qu'on va faire? Arrête de bonk alors que tu vas que tu es dans les. C'est pas possible. Pourquoi dans. Pourquoi quand. Pourquoi les gens qui jouent bien un jeu. C'est un truc, ça m'hallucine. Pourquoi les gens qui jouent bien à ce putain de jeu. Quand ils font les bots ou je sais pas quoi contre des coins. Eux, leur ligne qui fait clic, il va tout de suite et moi ça bonk tout le temps. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi. Chaque fois tu vas là, voilà, il fait ça. Pour les gens qui jouent à un jeu, qui le dosent, il se passe tout le temps ça. Tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps ce qui se passe. Et moi, à chaque fois, il bonk à la dose. Quel ouf, hein. Oh, il a le dos. C'est parfait. Non mais s'il te plaît va dans le Dark World par contre parce que ça va commencer à se voir qu'on a rien à foutre de jeu. Donc ça va se voir. Je suis dans le coffre, c'est un exploit. Tu vois Solarus au moins il te met devant le coffre. Alors pour une fois ce donjon là on fera pas tous les coffres qu'il y a dedans. Oh, en plus j'ai pas la Somarienne. Ah oh, on va se faire chier. De toute façon je pense que les glitches ne marchent pas en version américaine. Mais on va se faire chier. Oh l'ennui, quel ennui. Oh, ce donjon, quel ennui. J'ai pas Lookshot. Donc je vais devoir faire deux fois le parcours pour me laisser tomber puis pour aller à gauche. Oh là là, je sais plus dans quel sens je dois faire les planches à interrupteur aussi pour avoir la grande clé. Secours. Oui. Le Hookshot qui sert pas à grand chose en tant que tel. Quand on fait le rando, on se rend compte à quel point il sert pour peu n'est pas de requis pour grand chose, alors que c'est un objet très très bon. Dans le jeu normal, le Hookshot t'en sert tout le temps. Mais au final, t'es pas obligé de l'avoir. Je pense même que pour faire Turtle Rock, tu n'es pas obligé d'avoir le Hookshot. Du coup, on sait pas c'est quelle couleur, mais je pense que c'est les oranges. Il semble que c'est les oranges là, tant vu que j'ai une mort de poisson rouge, man. Ça, dans les hacks, c'est un truc chiant d'ailleurs. Dans les hacks, de passe, les planchers interrupteurs, ils aiment bien dans les hacks faire des trucs en mode hey, l'activer ou pas. Hey, allez, chanson de. Ils aiment bien faire ce genre de farce. Ouais. En plus, c'est dégueulasse. C'est vraiment. C'est le bâtard. Parce qu'en fait, tu actives ça, tu fais monter l'eau. Et en fait, là, tu vois, tu peux passer par là. En mode, le jeu te fait. Regarde, c'est un raccourci, tout va bien. Sauf que c'est un raccourci dont tu ne peux même pas profiter. Parce qu'au final, plus tard, tu vas avoir besoin d'avoir les rouges baissés pour pouvoir prendre la grande clé. Du coup, tu vas te faire enculer. Tu prends le raccourci, tu te fais enculer. Tu ne dois pas prendre ce raccourci. Ce raccourci est faux. C'est sciemment fait. C'est un piège de. C'est un piège de bat. Je trouverais pas ça dans un jeu d'aujourd'hui. Là, je vais tomber d'abord à gauche parce qu'il le faut bien. Il va falloir refaire tout le circuit parce qu'on n'a pas le hookshot. Ouais, ça peut être mal pensé aussi, hein, mais en même temps, à l'époque, on était moins à cheval, le level design. Tu dois voir la gueule du donjon 9 de Zelda 1, hein, tu comprends que le level design n'était pas quelque chose. C'était pas. Voilà. Hein. Ils étaient très cléments là-dessus. Hein. En même temps, quand on considérait à l'époque, en 1985, le 1-1 de Mario 1 comme du génie, on voit bien que les standards n'étaient pas les mêmes. Hein. Voilà.
Oh le 1-1, c'est génial. On a tout compris en designant le 1-1. On se réveille à une vidéo de Sakaz. On parle de ça. Vous voyez là, c'était les oranges. Enfin les rouges. Vous avez compris. Donc là je prends le hookshot et je me casse. On pourra pas faire grand chose d'autre en façon. Évidemment, évidemment que tu fais des au bas, le baobab de mort. S'il te plaît. Zaldo, je connais une petite appli qui simule le Link to the Past. Pour aller plus vite dans le monde. Incroyable. Incroyable. Vous gagneriez 10 centièmes de seconde par menu. Vous gagneriez au final 10 secondes sur votre site. Non, non, en vrai, beaucoup plus. Là, je déconne. Mais on va prendre les secousses. Les flômes. Être ici. Allez! Rappelle qu'on n'a pas le droit de prendre des bouteilles. Hein. Ouais, tu. Pip, pip. Ça y est, le jeu, j'ai déjà le jeu en grippe. Ça y est, j'ai joué. Ça n'a pas été long. Hein. J'ai joué. 11 minutes, et j'en ai déjà marre de ce jeu. C'est quand même fou est-ce que trop de rando ça peut te faire. Hein. Passer de l'amour à la haine en 2 secondes, c'est incroyable. Merci les randomizers. En fait. Merci beaucoup. Ah mais il faut que je fasse un perfect archery minigame en plus. Oh, allez, j'étais pas sur ça trop. Ça lag tellement mon gars. Aïe aïe aïe. Je sais plus, là il y a un truc aussi pour le choper et pouvoir retourner pour éviter une animation là. Ah là ça a marché mal, je l'ai vu. Incroyable. Là, c'est toujours un passage que j'ai trouvé super triste dans ce jeu-là, c'est que c'est super triste comme passage, il se transforme en arbuste, le machin. Et c'est un erreur d'ailleurs de le transformer. C'est un erreur. Je veux savoir pourquoi. C'est un erreur. C'est pas moi qui fais l'erreur. Hein. Je sais rien. Je vais être dans les arbres. Je vais être dans les arbres. Je vais revenir. Pas du tout. Ah, il y en a du tragique. Hein. Le prêtre qui crève, par contre, ça me faisait rire. Comme quoi. Bon, du coup, faut le faire ce truc, tambouraman. Bon, il faut faire un perfect, c'est-à-dire qu'il faut viser, qu'il faut pas louper une seule flèche. Je sais plus comment tu fais, je crois qu'il y a un setup pour le... Bah ouais, bah en même temps, la hitbox des flèches. Hein. Voilà. Voilà la hitbox des... Voilà la hitbox des flèches, quoi, déjà. Déjà, va composer avec ça, là. Genre, j'étais pas sur l'ennemi, là. C'est quand même rageant, ils font du rando, là, ils ont leur setup. Pourtant, ils réussissent, là. M'énerve, quoi, ils font du rando. Tout le temps, là, voilà. Mais regarde ça, ça passe à travers! Jeu de merde! Putain, rendez-moi le l'archerie de hauté, quoi! J'aurais jamais cru que dire ça un jour. C'est vraiment un jeu de merde.
Mais c'est hallucinant! Ah, déjà. Déjà! Mais je sais qu'il y a un setup, il faut que je regarde où il est au niveau des rideaux là de merde. C'est quand il est à veille de passer le deuxième rideau, je pense qu'il faut que je tire. Oh, c'est juste un setup à connaître. Mais ça m'énerve que la flèche passe littéralement à travers les trucs. Quoi. C'est hallucinant, ça passe à travers. Je suis désolé, ça passe à travers. Normalement, faut dire ce qu'est, le jeu est mal branlé. Regarde-moi ça! À un moment donné, faut dire ce qu'est, quoi. C'est mal branlé, vraiment. Putain, la flèche passe à travers. Mais elle doit. Tu faisais des versets en randomizer. Pas de problème, quoi, parce que pour avoir de l'argent en invertide, c'est comme ça qu'on fait. Allez hop, c'est parti. Merci. Bon là c'est pareil, il faut avoir beaucoup d'argent. Oh cette musique. Alors ce qui est bien c'est que ce mini-jeu c'est totalement du hasard. C'est-à-dire que bah... Voilà. C'est plus ou moins du bol. Ah, le pire, c'est que j'ai trouvé le quart de cœur, mais il y a un erreur à la con pour faire un score à ce jeu-là. C'est bien quand ton jeu est aléatoire. D'avoir un score. Vraiment pratique, c'est vraiment du génie encore, ça. Un génie des rats, ça encore. Encore un génie incompris des rétroactivements, ce truc. Cette musique. Plus j'ai eu du bol dans le sens où j'ai eu pas mal de 20 roupies quand même. Ah bah là. Faut que je fasse 100, je crois. On a le score en bas à droite hein, qui s'affiche heureusement. Je câblerai. C'est vraiment du... Oui, c'est vraiment de la... On est d'accord, David, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, c'est de la chance. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un truc que c'est du bol? Ah bah voilà, là c'est gagné. Voilà, c'était... Oh, on a senti le skill là d'un coup. Waouh, je me trouvais très skillé alors de la chance. Oh mais ils osent beaucoup de choses dans l'air. EKT. Quand le jeu est connu, ils osent beaucoup de choses. Oh c'est bon, j'en ai marre à un moment donné. Ah. Je suis désolé, hein, ma tolérance à la durée. C'est le dos. Si vous avez fait un truc, un setup un peu bizarroïde, vous auriez pu rappeler l'oiseau directement. Et vous auriez gagné ainsi 2 secondes. Bien sûr, félicitations. j'ai arrêté à force parce qu'on va vraiment mal le prendre à force. Mais. D'ailleurs, Zaldo. Check. Ah check. Ça va. Dans KH2, il me semble que tous les boss AD, il avait des caps de niveau à pas dépasser. Enfin, les boss. Avec des défis optionnels, bien sûr. Mais KH2, quel jeu? Quel jeu KH2? J'ai pas la cape. Non, mais non. Casse-toi. J'ai très envie de faire ce donjon là plus tard. Vraiment, le Skullwoods là. Skullwoods, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de faire Skullwoods et ça tombe bien parce que je ne suis pas obligé de le faire.
Fire Rod, ça sert à rien. Ça sert juste à Ice Palace. Et Ice Palace, c'est bon. Clairement pas tout de suite. Voyons voir. Est-ce qu'on a du check ici? On a du check ici. Évidemment, évidemment. Bien sûr. Moi aussi. J'aurais pu monter mon max de bombes et de flèches, le pognon que j'ai en plus. Faudrait que je le fasse. Et que j'y pense parce que sinon je vais accumuler des rubis dans le mine. Non, je suis en train de prendre des bombes. De prendre des bombes. Ça marche de faire ça? Oui, ça marche. J'ai eu la cape sans les moufles du... sans avoir les moufles du titan. Et oui, c'est possible. Donc j'ai la cape, ça veut dire que je vais pouvoir faire le quart de cœur qui est au niveau de la montagne. Moi, je suis en train de faire un routine qui est complètement improvisé, de je tiens à le dire. Là, la dévoile qui est que forme cette flèche vous donne une chance sur deux de drop une bombe à chaque trou. C'est une petite info comme ça. Vous le saurez. Vous le saurez. Ça peut être utile quand vous cherchez à faire du randomisé. Et évidemment, pas du tout vous amuser parce que vous voulez tout optimiser à la frame. J'en sais rien. Je vais avouer ne pas savoir David. Ah non, il m'a bah oui, il m'a touché, il m'a cueilli. Il m'a cueilli comme une fleur. Bon Loulou, c'est mort. Hein. Spoiler, Loulou c'est mort. Spoiler, Loulou est mort ce soir. Il est sûrement mort. Hein. Il est sûrement mort au téléphone. C'est pas grave. C'est juste que bon, s'il avait dit qu'il serait pas là ce soir, comme ce que j'avais prévu à la base, j'aurais pas lancé ce stream. Voilà. Je sais, mais même si tu m'avais demandé la réponse, je ne sais pas la réponse. Mais ça aurait été complexe. Bon, que faire? Faire le village des bandits. Ah, il faudrait que je donne mon argent. Je donne mon pognon. Vas-y, on va donner le pognon, tant pis. On reviendra ici, au pire, c'est pas grave. Mais on n'a pas les moufles. On perd du temps si on n'a pas les moufles. Les moufles, ça permet tellement d'aller te porter. Allez, plus merde, en fait. Tant pis. Mais les moufles, ça fait gagner tellement de temps. Mais tant pis pour les moufles. J'aurais peut-être aimé avoir quand même 900 balles, tant pis. Donc là, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est qu'on va se faire chier. Et on va vraiment se faire chier. Je vais accélérer parce qu'on se fait vraiment chier. Voilà. Non ! Ah ouais. Bah on se fait chier. Ah on se fait chier. Ah merci Wizra. Je m'attendais pas à voir Wizra. Attends. Bah en fait depuis tout à l'heure je te vois seul en vogue, donc je me doutais, mais le problème c'est qu'en fait j'étais déjà en vogue. Mais t'étais où? Sinon je serais venu plus tôt. Ah avec okay. Des amis. Ah des amis. Des sa mère. Non, on a fait c'était session Sonic Superstars aujourd'hui. Du coup on joue à... Bon le jeu est sympa. Bon c'est vraiment bordélique le multi mais.
Bah à la base, sinon, ouais. Zeldo, si tu veux te faire un avis sur Mario Wonder, je te conseille vraiment la vidéo de Lopox. C'est la seule que j'ai regardée, franchement, elle est parfaite. Vraiment, ils montent pas trop de level, ils montent vraiment genre des quelques levels, et genre il a dit qu'il ferait pas le jeu en entier, et que genre il a fait un cut sur les vidéos, puis il a monté, genre il a fait un cut à la, là où littéralement il avait fini le jeu, il a donné son avis dessus. Mm-hmm. Okay. Genre il était là en mode je m'attendais à rien, genre je m'attendais à un plateforme et genre en mode on a déjà tout vu, il y a Mario Maker 2, mais non, le jeu il se renouvelle tout le temps. Ah bah tant mieux, c'est ce qu'il faut. Hein. Putain de bon jeu, il faudra un putain... Et de ce que j'ai, vu, les levels sont triés en genre il y a un triage de difficulté par étoile. C'est incroyable. Bon évidemment, faudra faire 5 étoiles pour commencer à avoir le but, mais c'est pas grave. Alors il a tenté un truc, c'était un level qui était pas du tout obligatoire, c'était un level truc, et c'était en 4 étoiles, et il a galéré de fou. Ok. Après bon, voilà. Bah t'as le même niveau que lui, ça va. C'est vrai. J'en sais rien en fait. Je pense qu'en Mario, je suis rodé quand même. Ah bah lui aussi, tu sais, il a fait pas mal de trucs un peu vénères. Hein. Il a fait du Kaizo, il a littéralement fait la Romac pour Learn to Kaizo de Mario World. Hein. Ah c'est vrai que moi le Kaizo ça me fait chier. Oh merde, j'ai plus d'argent du coup. Oh je le savais qu'il fallait pas dépenser ces thunes. Non. Casse. Ça avance bien. Ça va très bien, ouais les rats se poursuivent leur rythme. À la base je devais pas stream parce que je voyais qu'il y avait son père et moi j'ai dit bon bah je stream pas ce soir. Puis Loulou il a dit attends j'arrive. Ouais j'ai vu. Il a vu à quelle heure il l'a envoyé. Bon c'est classique quoi. Ah ouais et du coup je sais Loulou, je vous connais, on va y aller quand même. Mais voilà. Mais du coup ça fait plaisir que tu sois là. Du coup ça fera que la session va pas durer une heure. Félicitations. Mais de rien. Mais d'autant mieux, c'est parce que du coup tu mettras moins de stream faire LTP, du coup BBS viendra plus vite. D'un certain sens oui, mais ce sera pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après. Oui, parce que oui, j'avais compris. Parce que tu vas voir Voldemort. Ouais. En plus. Oh j'en sais rien David, c'est souvent... Bon, posez pas de questions. Non. On est parti pour Thief Town, bien sûr. Ce qui est bien en plus ce jeu, c'est que c'est un peu c'est comme toi quand tu fais des randos de KH2, quoi. C'est que je peux totalement poser mon cerveau par terre, que ça marche. Alors, j'en voilà. Suis pas à ce point-là. Pas encore. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine essence. Donc là, une fois de plus, on ne pourra pas faire le boss, hein, parce qu'il faut le faire à la canne de Somaria. Tony DDR, bien sûr. Enfin bon, de toute façon, on peut rien faire, même si le défi était possible, on n'aurait pas pu le faire, parce que les RA, je rappelle que pour les RA, le premier cristal, ça doit être Turtle Rock. Voilà, donc, on va se faire chier, hein, du coup, à des nets. Ça veut dire que t'auras pas beaucoup de cœur, Zeldo, ça va aller. Parce que c'est vrai qu'on s'assoit sur 7 cœurs potentiels, quoi, si on fait exclu en premier. Mais bon, j'ai dit AD, ça va aller, AD. Ça va aller. Parce qu'en fait, les trucs du set me rappellent pas mal de situations auxquelles on doit faire face quand on fait du rando, en fait. Limite, ils auraient pu faire un randomizer sur le randomizer avec The Pass, quoi. Ça aurait été plus... Un rando dans le rando. Mais en vrai, ils devraient faire un set sur les randomizers, déjà. Comme ça personne... Comme ça, pour pouvoir tenter un RA, faut que ce soit une seed précise. Du coup, il devrait préciser le H de la seed dans le RA. S'imagine le truc de ouf. Enfin, fais cette seed là. Genre, t'as une liste de 100 seeds que tu dois taper. Mais du coup, c'est un peu con. Parce que le principe du rando, après, c'est. Après, ce serait. Oui, ouais, ça serait simple parce que tu suffit qu'un mec le fasse. Genre en stream. Puis il le poste sur un. Je sais pas, YouTube. Et genre, bah, il envoie le lien sur le RA. Enfin, sur les RA. Et du coup, littéralement, tout le monde peut le faire. Enfin, genre, tout le monde peut le faire en deux speeches. Ça n'a aucun sens. Ouais. Finalement, les idées, quoi. On va souvent discuter. Oh, mais t'inquiète, faut bien qu'on discute, vous avez raison. Non, je le savais. Pourquoi je fais ça? Oh, mais attends, est-ce que le jeu il va l'oublier? Que j'ai ouvert ça? Quand je le referai le donjon? Oh, moi je parie qu'il l'oublie.
Moi, je parie qu'il oublie ça. Je parie qu'il oublie quand je quitte. On verra. On verra quand on fera le line, on va rigoler. Et sinon, ça, t'as passé une bonne journée, Wizra? Ouais, ça va. Pas trop fatigué? Pas grand chose qui s'est arrivé. Bah non. Forcément, juste pas bouger son cul de la chaise, forcément, je me fatigue pas trop. Ça, je suis jamais fatigué quand je vais au travail. C'est faux. Enfin, je suis fatigué dans la tête. Mais je suis pas fatigué physiquement, ouais. Ça, c'est sûr. J'ai la bique. Oui, bah oui, oui, oui. Il la faut pour vendre jusqu'ici. Suis-je bête? Tu sais pas ce qui est rempli de plein de pièges fourbasses comme ça. Ah, j'ai fait tous les coffres de Tiffstang. Pourquoi il m'a mis un... Et c'est quoi le pop-up qui est en bas? C'est genre un pop-up pour dire que j'ai eu le R1. Incroyable. Pour l'instant, on se fait quand même chier. Ah, en plus, c'est vrai qu'il y a un R1 de qualité, là. Il faut que je l'amène là, là où elle dit « Don't take me in that place », évidemment. Ouh. C'est-à-dire ici, « Don't go this way », voilà, donc on go this way, et du coup ça va faire qu'elle va... Elle va disparaître, voilà. Et du coup il va falloir la rechercher, et après sortir du donjon. Et là elle va redire pareil, je vais avoir un R1 pour l'avoir amené dans les deux locations où elle veut pas qu'on aille. Et c'est un erreur, c'est un erreur. Et le pire, c'est que c'est cruellement logique, en fait. C'est un signe de peaufinage parce que, bah, elle n'aime pas la lumière, donc c'est normal. Parce qu'à l'étage, il y a des fenêtres avec de la lumière qui sort. Donc ils ont fait attention à ce détail-là. En mode, tu veux pas l'amener au premier étage. Et ça, c'est incroyable. Je sais pas si je peux me mirror. Est-ce que je peux faire le mirror? Avec quand je l'ai. Ah oui! C'est vrai que j'aurais pu juste la mirror et la sortir, c'était la vraie. Du coup, j'ai pas les thunes. J'ai les thunes maintenant, j'ai les thunas. Donc on va pouvoir faire le mini-jeu des coffres. C'est combien d'argent? Oh! GG David. Bon, il y a un quart de cœur ici. J'espère que vous êtes prêts. Parce que dans le rando, ce n'est pas rando. Mais dans le jeu rando, dans le jeu normal, c'est randomizer. Ah, c'est que le randomizer, il est bien. Saute plein de petits trucs. C'est ça qu'en fait, quand je vais rejouer au Vanilla OOT, je vais vraiment... Je vais avoir de la misère. Hein. OOT Vanilla, le mal, quoi. Quand on a goûté au rando, c'est dur de... Oh, allez, par pitié! Moi, je pensais qu'il y avait un setup pour avoir le... Pour être certain d'avoir le quart de cœur. Hein. C'était peut-être ça. Qu'on aura fait tous les... qu'on aura eu tous les objets des donjons. On va faire un slot de sauvegarde, un slot de sûreté pour pouvoir refaire les boss à loisir en fait avec des défis à la con, parce qu'il y a certains défis genre mode que je pourrais pas faire comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de truc restreint au niveau de l'épée là, parce que là je vais aller l'épée 3. Ouais, calme-toi là, David. Calme-toi bien. Calme-toi bien, Dav. Regardez.
Vous avez vu ça? Vous le saviez, j'espère. D'ailleurs, dans Zelda 2, c'est possible. Personne ne l'a jamais trouvé, d'ailleurs. Mais si vous faites du martal sur le truc du forgeron, il vous dit un truc dans Zelda 2. Personne ne l'a jamais vu. C'est pas grave. Ça veut dire que je peux faire des putains de secrets sur rien caché que personne n'a jamais vu. Et c'est une ref aussi avec The Past, là, ce truc-là. Taper au martal, le gars te dit « Ouais, arrête de faire la jam à ma place, quoi, c'est moi le pro. » C'est vraiment un jeu extraordinaire. Comment est-ce possible? Ouais. J'aurais dû faire qu'il insulte Link. Qu'il insulte sa mère là. Sa mère. Et vide et en plus de... Alors c'est pas un jeu que je trouve vide, Link de passe par contre. Vraiment. Zelda 1 est vide. Mais pas Link de passe. Après tu parles dans jeunesse hein mais. C'est vrai. Breath of the Wild, David! Mais pas Link to the Past! Excusez-moi, j'adapte. Aïe. Se faire des ennemis! Des ennemis! Les souterrains de Tears of the Kingdom sont vides. Le ciel est une vaste blague. De toute façon, c'est le pire Zelda 3D de Tears of the Kingdom, c'est compliqué. Aïe. Je décris juste la sensation, mais je sais. Moi aussi, c'est des sensations. C'est pas la vérité vraie que Tears of the Kingdom est vide. Hein. Non, c'est juste ma sensation. Ça me fait enfiler, enfler 100 balles. C'est pas grave. C'est pour ça que Wonder, je vais bien regarder. Bien regarder, comme il faut. Mais si tu veux, après, si t'es chaud, on peut se faire un petit watch party de la vidéo de Loco. Bonne idée, vous avez, Wizard! Vous avez les balles brillants, vous! Toujours! Bon, en vrai. Alors, si je récupère encore 10 balles, je serais très tenté d'aller payer à la fée pour avoir la fin de mes caps pour les bombes et les flèches, là, pour être tranquille par rapport à ça. En même temps, je me demande s'il n'y a pas des rats à la con que je peux faire. Je réfléchis. Bon, j'aurai pas d'argent si je tue personne, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Ah, je suis en mode errance, hein, 100% là, je fais de la... On va déjà aller dans le Lightfall, ça paraîtra moins d'être qu'on sait pas ce qu'on fait. Bon, moi j'ai des putains de tech d'ailleurs au travail, hein, parfois quand je sais pas du tout ce qu'un client me demande. Parfois je fais comme genre, je taponne au clavier, je fais pip 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 pip. Comme dans des dessins animés. Hein. Je ne sais pas m'en servir, Batman. Et ça marche, c'est ça qui est incroyable, ça marche. Allez, donnez-moi les tunas. Casse-toi! Oh, c'est insensible. What the hell? Heureusement que je sais que ça donne... Oh bah attends, j'ai jamais fait ça. Oh le Kong. Oh bah tant mieux, on y va. J'avais fait la Minimal Down Cave. Vous fichez de moi. Ah d'accord, visiblement. Ouais mais je vais avoir trop de thunes. Lui, il va me donner 300.
Ouais, mais il faut que je fasse tous les checks. Allez, vas-y. Le gaspillage de 150 balles, allez, let's go. J'ai l'impression d'avoir racheté Tears of the Kingdom, là. Oh bordel, la comparaison. Bon, la comparaison est légitime. Bah, après, pour me sentir moins enflé, il faudrait que je la finisse. Il faudrait vraiment que je la finisse. C'est ça qu'on va faire avant le BBS. On va finir. Comme ça, BBS va me re-sauver la vie. Non. J'ai redéprimé à cause de Zelda. Puis là, du coup, BBS va me... Cage va me re-sauver la vie à nouveau. Mais tu sais, t'es pas obligé de passer par la phase de dépression, tu peux juste rester heureux. Hein. Alors d'ailleurs, si vous appuyez sur A, faites attention. Hein. Regardez. Là, vous dites, mais il n'augmente pas ses capacités. Comment cela se fait-il? Parce que vu que mes bombes sont au max, I cannot grant any more wishes. Donc faut que j'aille vers le bas maintenant. Quand la fée apparaît. Mora Rose. Aïe 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 aïe. Alors pourquoi on se fait chier à faire ça? Parce qu'il y a des RA pour... Ah, il y a des RA pour le... pour max et tout. Je demande qui a décidé de coder cette merde. Hein. Encore les RA bizarres. Hein. Bah après, heureusement, la touche espace existe. Alors par contre, il y a un truc qui me fait pas rire. Un truc qui me fait quand même pas très rire beaucoup là en ce moment. Vous voulez savoir ce qui me fait pas très rire en ce moment, Isa? Dis-moi tout. Bah... Ou bien je l'ai déjà fait. Et du coup, j'ai fait ça pour R. Je l'avais déjà fait. Non, vraiment? Oh, je l'avais déjà fait. J'ai fait ça pour rien. Mais je pensais que je les avais pas fait. Je pensais que j'avais pas fait ça. Bah comme quoi. Bon tant pis. Hein. Au moins j'ai les munes. Hein, on va pas s'en plaindre. Bon allez. Non mais on peut pas aller dans Misery Mayer, on n'a pas le médaillon d'été. Faut se faire chier encore. Et hop. Pourquoi ils ont mis ce médaillon d'éther loin de tout? Heureux, David. Alors, ça va, mon programmeur professionnel? Pourquoi je fais ça? On peut pas le faire sur cette version. Qui l'a voulu, Spin Speed? Oh, par contre, j'ai que 5 coeurs. La moitié de ma magie. Oh, mais le Kong, il est pas allé dans le Dark World. Mais on dirait qu'il le fait exprès. On dirait qu'il le fait exprès, mon Kong. Peut-être que c'est le cas. Ah, ça, c'est bien, ça, David. Ah oui, d'ailleurs, finalement, pour Glioc, j'ai trouvé. On va faire Glioc, je vais faire Aguamentus, finalement, à la place. Oh, pitié. Ce sera plus facile. Oh, David, je t'en supplie, d'un autre boss, mais pas lui. Ah, quoi? T'aimes pas Aguamentus? Non. Pourquoi? Je trouve à chier. Bah, c'est le premier boss du jeu. C'est merde. Grosse merdasse. Il s'est juste tiré 3 boules. Bah, au moins, il sera pas dur à coder. Hein. Juste une balle tout droit, une balle en diagonale haut, diagonale bas, et voilà, c'est fini. Point barre. Voilà, les terres. Bon, on va aller chercher la canne de Soso. Arrête de... Voilà. J'ai l'impression de me prendre pour Adolphe en fait, quand je joue à jeu. Oula, fais attention à ce que tu dis. Comment je m'excite parfois, comment je hurle là. Si j'étais encore au chalet... Oula, allez, j'ai dit A. Pas dit H. S'il vous plaît. Hein. Ah, ça me fait peur.
Quand même, merde. Si tu précises pas, j'ai plus rien. Bon, ça va vite. Et parfois, quand je m'énerve, voilà quoi, j'ai l'impression de revivre des grands moments quoi. Ouais, la canne bleue. Oh non, on revient dans le Night World. Toulou. Oh mais il y a un quart de cœur que j'ai oublié. Vite, il faut que je le fasse avant que j'oublie. Sinon j'ai oublié son existence, je le connais, je vais plus jamais le trouver. Je vais me dire, putain, il manque un truc, c'est où encore? Je vais refaire une des Desert Ledge, là. Pour éviter que ça arrive, pour l'instant que j'y pense, là. Je voulais pas appuyer sur ce bouton. C'est vrai que je l'ai mis là dans Zelda 2. En mode bah c'est un check et... En fait c'est une ref au... Quand Ganon te dit as-tu trouvé les pièges d'argent dans le monde des ténèbres, c'est une ref au randonnées. Hein. Que quand tu fais Ganon, bah comme dans OOT, hein. Tu fais Ganon, dans X2 Past il te dit la location des pièges d'argent. Voilà. Comme ça j'oublie pas qu'il existe. Oula! Oh, ah, allô? Aïe aïe aïe. T'as une chance que Loulou a dit qu'il serait là dans une heure. Pardon, mais Lison, elle m'a appelé et tout. Fallait que je lui explique comment fonctionne Discord. C'était long. Comment fonctionne Discord? Quoi? Elle est toute neuve sur Discord et oh, c'est un moment qu'elle est dessus, mais elle comprend pas comment ça marche. Mort. Ça va, Loulou? Bah, ouais, ça va, je suis désolé. T'as dû te sentir seul. Non, pas du tout. C'est l'habitude. Non, Wizra était là. Wizra m'a accompagné. Ouais, mais au début, t'étais tout seul. Merci, Wizra. Puis maintenant, Wizra dort, donc bon. Quoi? Tu dis des bêtises. Elle a dit qu'on allait regarder l'Oppo que ce soir ensemble. J'avais pas compris faire ça avec les bottes de Pégase. Vous avez triché, Zelda. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai le grappin, donc en soi. Oui, c'est juste pour aller plus vite, quoi. Vous êtes un petit feignant, mon petit Zelda. Bah, je suis gentil. Tout. Ah non, il dort pas. Et je suis parti me chercher à bouffer. Bah oui, il y a le Watch Letter. Wizra, allez pas louper le Watch Letter. Ah! Comment ça, le Watch Letter? Bah, le Watch Together, pardon. Together. Pourquoi vous voulez faire un Watch Together? Parce que Louisra veut me montrer Mario Wonder. Ah mais non, je voulais le stream. Attendez que je le stream, wesh. Ah bah du coup je vais attendre Loulou. Ça va prendre un peu. Non mais Loulou, tu comprends pas, c'est une vidéo de l'Opoc. Bah je sais bien, mais moi d'abord et l'Opoc après. Dans mon livre, ça passe d'abord. Bah ok. Bah vous êtes pas très sympa. Alors déjà, voilà, hein, faut pas m'inclure là-dedans. Hein. Ah j'ai dit dans mon livre, hein. Ah ouais. J'ai jamais lu que c'était le tien, hein. Alors c'est Miséré Maillard fait partie de ces fameux donjons où tu... T'as énormément de pièces, mais où il faut quasiment rien faire pour le film, vraiment. Genre là, quand je vais l'avoir fini, là... Enfin non, je pourrais pas le finir, mais quand... Je vais avoir fait tout ce qu'il y a à faire dans le RDC. Vous allez voir le nombre de pièces que j'ai visitées par rapport à la taille du donjon. Ce donjon-là est Skullwoods. C'est des cas d'école pour ça. C'est des donjons en mode il n'est nécessaire de ne visiter aucune pièce quasiment. C'est hallucinant. Bon là je dois visiter des pièces de plus parce que je dois ramasser tous les pièces. Ils se sont dit bon il faut remplir le quota de la cartouche mais on va rajouter des pièces qui servent à rien. Ouais. Oh, dans Zelda 1 c'est littéralement ce qu'ils se sont dit. Hein. Vraiment Zelda 1, le donjon 9 je comprendrai jamais. J'avais pris une photo là qui était censée servir pour ma review sur Zelda 1 mais qui n'est jamais sortie sur Zelda Games. Mais du coup j'aurais montré la putain de map. En fait c'est la map du donjon 9.
et j'aurais montré. J'avais fait un petit. J'avais coloré en vert les pièces utiles par rapport à, au donjon entier. Les pièces colorées en vert, bah, c'est genre le tiers de donjon. C'est genre, tu sais pas ce qui s'est passé. Quoi, oh mon dieu. T'as vu la map du donjon 9 de Zelda, ça y est? Mais les développeurs, ils ont pris de la drogue ou quoi? C'est l'heure du vibrant. Ouais, bah c'est la Death Mountain, quoi. Ça va, elle va être... Elle va être belle, la caverne aux souvenirs de Forgotten. Le dernier étage. En vrai, faudra trop que je fasse un truc comme ça. Du coup, là aussi, level design de Fourbas. Tu as eu la grande clé, donc tu utilises la grande clé pour ouvrir cette porte. Tu prends ce téléporteur qui t'amène ici, où tu dois aller. Tu peux utiliser la big key ici. Et là, c'est vers la fin du donjon. Le problème, c'est que tu n'as pas la canne de Somaria qui est nécessaire pour aller, pour avancer à la pièce plus loin. Du coup, bien que le jeu t'ait donné un putain de téléporteur pour t'amener ici en mode raccourci, eh bien, il ne fallait pas le prendre. Parce que, bah, tu dois quand même backtrack pour chercher la Somaria Kane, quoi. Voilà, c'est génial, hein. On va passer par ici. Sachant que là, du coup, j'ai fait une deux pièces de trop par rapport à l'itinéraire optimal. Excusez-moi. Il est bien designé, ce jeu, franchement. Ah, mais League of the Past, il a des... Bah, tout à l'heure, quand t'étais pas là, j'ai montré un peu à Davy le Sand Palace, là, par rapport au plancher d'un interrupteur, et... Il y a aussi de la merde à ce niveau design, au niveau des plots. Il reste un coffre à faire, je crois, il est au niveau de la pièce principale. C'est petit. Ah, tu fais aussi une tour. Pourquoi tout le monde fait des tours? Voilà, c'est le coffre ici. Parce que c'est le truc le plus facile à faire en termes de game design pour un donjon. C'est pour ça, sacré Ganon, hein, finalement. Tout dans la facilité. Ganon, est-ce qu'on l'aime celui-là? On a miné le mire. Donc regardez la carte. Voilà. Voilà les pièces. Alors en vrai, ça va. Ça va, j'ai quand même exploré la plupart des rooms, là. Mais voilà, tu vois ce qui sert à rien, quoi. Bon, sachant que le sous-sol, je vais quand même devoir l'explorer. Et que la pièce avant le boss aussi. Mais toute la partie, la crotte en haut à gauche, là, avec une pièce, avec un squelette de poisson dessiné, ça sert à R. Voilà, c'est quand même fou, mais c'est ça. C'est la vérité! Yes! Ah, c'est les meilleurs temps, ça. Qu'est-ce que c'est? Il y avait des merdes qui se baladaient dans l'eau. Par contre, le loup, je suis pas content. Pourquoi? Je suis vraiment pas content. J'ai eu mon horaire. Je suis vraiment pas content. Oh non! J'ai dit, il va falloir que je parle. Oh, mais Georges! J'ai dit, il va falloir que je parle à celle qui fait les horaires parce que là, ça ne va pas du tout. Je fais les 5 jours. La semaine prochaine, je vais éclater du American contre les murs. Hein. Ouais, bon. Mais wesh. Je fais les 5 jours. Je fais les 5 jours en mode lundi à vendredi. Et jeudi, je finis à 8h. Let's go, allez hop. Tout, il y a tout. J'ai genre, d'habitude, je fais 20-25 heures. Là, je fais 33 heures. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit... Mais j'ai eu mon horaire avant de partir et je l'ai eu en retard. J'ai eu juste là avant de partir, donc j'ai pas pu en parler. Mais moi je me dis, mais c'est une erreur, c'est pas possible, il doit y avoir une erreur, genre dans l'horaire, c'est pas le mien, quoi. J'ai eu l'horaire de superviseur, c'est pas possible. C'est quoi là? Pourtant il y avait marqué mon nom, mes trucs et tout, et je fais 5 jours. Mais quoi? Comment ça se fait? Bah oui, comment ça se fait? C'est vraiment comment ça se fait, parce que quand j'ai dû en faire 4, elle est venue me voir, elle dit, oh, est-ce que ça te dérange pas si je... Et là du coup elle en a mis 5 en mode sans rien dire? What? Pardon? Surtout que c'est genre, ça respecte pas mes conditions que j'ai dit, moi c'est 3 jours, 20 à 25 heures en fait. Ça fait déjà 2 semaines que je fais 4 jours quoi. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Et je rappelle que j'ai eu un putain de poste de... J'ai putain de plus gradé dans les bureaux et je peux pas y aller.
Parce que si je pars, il n'y a plus assez de monde. Donc je peux même pas y aller dans les bureaux. Hein. Donc je suis coincé là, et en plus de ça, je ferai 5 jours. Je pense que là, il va y avoir 2-3 mots à dire, là, vraiment. Il va y avoir des trucs. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait genre... Bah, c'est bien ce que je me pose comme question, là, vraiment. Pour moi, c'est... Je me dis, il y a une part de moi qui se dit c'est une erreur, là, à mon avis, il doit y avoir un truc... En mode, c'est déjà arrivé qu'elle a fait, oui, mais je savais pas quoi mettre comme horaire, du coup, bah, j'ai mis ça. Mais ce sera à voir la semaine prochaine, là, en mode, il fallait qu'elle sorte un horaire, là, parce que, bon, c'était vendredi soir. Et du coup, elle a fait ça. Et du coup, ce sera juste après. Mais soit c'est ça, soit c'est une erreur. Soit genre confondu ma condition avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, oui, c'est ça. Genre, c'est pas moi, en fait. C'est pas mon horaire, en fait, que j'avais eu. Mais parce que c'est un petit peu abusé, là, quand même. Parce que... Enfin, on prévient, au moins. Parce que c'est ça, aussi, c'est ça. Parce que quand j'ai fait... Bah, quand j'ai dû faire 4 jours, elle m'a demandé. Elle m'a dit, est-ce que ça te va? Donc, ça me surprend qu'elle m'y mis, genre, comme ça, 5 jours, en mode, sans rien dire, tu vois. Parce que elle m'a nommé un quatrième, elle est venue me le demander avant, quoi. Et là, c'est genre, pardon. Ah oui, tu fais 5 jours, en fait. Ah oui, bah... Non, mais non, en fait. C'est ça le problème, en fait, c'est que non. En fait, c'est les petits détails. Du coup, ouais, je suis vraiment parti de la banque en rogne, quoi. Ouais, vraiment, mais merde, quoi. Il fait, ah non, je fais pas ça. Parce que moi, je te le dis, au bout du quatrième jour, déjà, ce sera le jeudi en plus, où je suis né à 8h du soir. Vraiment, l'américaine qui me fait oui, l'insulte, quoi. Une. Vraiment, là, c'est bon, là, j'ai plus la patience. Hein. J'ai dit, les bureaux, j'ai accepté de faire temps plein parce que c'est des bureaux. Mais au guichet. Moi, je l'ai déjà dit, si je fais 5 jours au guichet, je me tape la tête contre les murs, hein. Vraiment. Hein. Ah. La patience, là, je l'ai pas. Hein. Bah, je suis désolé, du coup, que... Ouais. Ouais. Mais du coup, ça fait chier, parce que du coup, pour le stream, bah, je vais stream tous les... Ce sera à minuit, c'est certain. Mais je vais clairement pas mettre tout... Je vais devoir choisir quel jour je mets, quoi. Mais... J'aurais dû jouer, c'est pas grave. Ah, ça revient. Plein de trucs. Ça paraît que j'ai plus fait de rando depuis longtemps. Il y a plein de trucs que je fais qui sont plus optimisés. Peut-être que je m'en bats les couilles aussi. Ça peut être une très très bonne explication, ça. Réel. Oui, aussi, ça peut, oui, en effet. Fait. Mais du coup, c'est ça, lundi, je vais en parler, je vais clarifier. Parce que là, moi, en fait, lundi, je vais. Mon plan de jeu, entre guillemets, il va être très simple. Ça va être comme t'as dit, Lou, c'est genre, bah, ça respecte pas les conditions de travail, en fait, habituelles, quoi, mais. Donc moi je lui ai demandé, j'aimerais avoir une journée de moins, quoi. Vraiment, genre tu m'enlèves le mercredi ou le vendredi, pas lundi, là je suis là, je vais le faire. Mais d'habitude tu fais 3 jours, pas 4. Ah oui, d'habitude tu fais 3 jours. Mais là ça fait 2 semaines d'affilée que je fais 4 jours, parce qu'il n'y a plus pas beaucoup de monde. Du coup... Mais non, mais tu dis pas 4 jours, tu dis je vais retrouver mes 3 jours. Pas 4, parce que sinon ils vont prendre ça pour acquis. Parce que moi je le sens, si je fais mes 5 jours là et que je dis rien, la semaine prochaine je vais en refaire 5. Et je veux pas en refaire 5, vraiment non. Vraiment, je veux pas refaire ça. Là, déjà je veux pas le faire tout court une fois. Je veux pas le faire une seule fois en fait déjà. Oh elle est partie, allez, d'accord. Allez, va falloir pas avoir mémé dans les tribunes là. Dans les tribunes. Non non, moi c'est ça, je vais dire, écoute. Dire non. Alors, je suis désolé que t'as pas demandé tout, mais. Franchement, moi je dirais, écoute, je fais pas le vendredi, quoi. Vendredi, moi je finis, jeudi à 20h j'ai fini, vendredi, je sais pas, vendredi, c'est bon. Je veux bien en faire 4 parce qu'il y a plus beaucoup de monde, là, ça je le comprends. Mais déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas censé. Et deuxième. Mais par contre, 5, c'est mort, quoi. 5, tu oublies le projet, en fait, instantanément, mais vraiment. Après, je vais pas le dire comme ça, je vais être gentil, mais... Parce que après, je sais pas sa faute à elle, quoi.
C'est pas la faute de l'équipe, eux ils font les horaires avec genre les. Non, mais enfin tu préviens ont, quand même. Hein, mais, oui, tu préviens, mais oui, tu préviens parce que moi je suis surpris. Parce qu'elle m'a prévenu. Enfin, elle m'a. C'est pas qu'elle a prévenu, c'est qu'elle m'a me demandé. Quand elle m'a mis 4 jours, elle m'a demandé si ça m'allait. Donc à savoir que si j'avais mis non, elle m'aurait mis 3. Et puis voilà, ça s'arrêtait là, tu vois, elle, m'a pas, elle me l'a pas imposé. Tandis que là, c'est vraiment ta 5 claques. À ouais, croire que, à croire gueule, que c'est pas elle qui a fait l'or. Ou bien j'ai une autre hypothèse. Qui serait pour le coup valide, mais il faut voir, c'est qu'elle m'a mis ça, mais quand je vais arriver là-bas, au jour le jour, elle va dire, oui, bah du coup, je t'ai mis ce temps-là, mais tu restes au comptoir jusqu'à telle heure, et le reste du temps, tu vas au bureau en arrière pour faire de l'observation, pour ma relève, pour mon poste, pour mon nouveau poste. Ce qui serait un truc en mode logique, parce que je rappelle que j'ai quand même le poste que je suis censé y aller, hein. Donc, elle m'a peut-être dit, bah tiens, regarde, je t'ai mis les 5 jours, comme ça, et il y a des jours où tu choisis, tu vas observer ce jour-là ou quoi. Donc, parce que moi, ça m'irait, là, je dirais, écoute, mercredi, je viens pas au comptoir, et mercredi, je vais observer au bureau, quoi. Parce que, bah... Bah, parce que j'ai gagné, quoi. Donc, ce serait, c'est comme si t'avais une putain de promo, et qu'au final, ah non, mais la promo, en fait, non. Ouais, désolé, tu l'as dans le fiac, quoi, au final. Désolé, en fait, hein, vraiment... Vraiment sympa, hein, mais non, c'est ça, quoi. Bon, on a tout fait dans, on a tout fait dans les donjons du jeu, je crois. Ah, il reste Ice Palace, il reste Ice Palace. Et Ice Palace pourrait être intéressant à faire pour avoir la Blue Mail. Surtout que je pense pas qu'il y a de défis à la con en mode fini le jeu à la Green Mail. Il a fini le jeu sans bouteille, mais il a pas fini à la Green Mail, on sait pas pourquoi. Mais... du coup, je suis un peu énervé, un peu de mauvaise humeur. Parce que j'ai pas pu en parler en fait avec celle qui fait les heures d'habitude. Bah, ça sort ouais, le bah t'as pas eu le temps quoi. J'ai pas eu le temps parce que bah, je l'ai eu littéralement à 4h vendredi quand je suis parti. Vraiment, vraiment, je l'ai eu là, vraiment. Je l'ai comme vu en rentrant à la maison. Voilà, donc. Ouais, t'as le temps de, ouais, t'as le temps de juste te fermer et de rien dire, quoi. Bon, c'est triste, hein. À croire que c'était fait exprès, limite. Oui, vraiment, on dirait, mais même moi je le pense, hein. Ça aurait été moi, je le penserais fortement que c'était fait exprès. Non, mais non, c'est parce que, bah, je suis pas... Attends, je suis pas... Ils sont pas méchants avec moi, puis je suis pas mal vu. Donc, c'est ça qui m'étonne. Ouais, il doit... C'est ça que je me dis, vraiment. Erreur quelque part. Vraiment, ça va être une erreur, quoi, c'est pas possible. Ça doit être une erreur ou bien elle m'a mis ça en mode bah je l'ai mis parce que May tu fais 3 jours effectivement au comptoir mais les 2 autres jours tu fais de l'observation dans les bureaux en arrière. Ce qui m'irait. Ça m'irait, tu vois. Ça me va. C'est un truc qui me va ça. Parce que le bureau c'est du temps plein. Et ça j'ai dit oui. Et ça c'est les conditions que j'ai acceptées. Mais le comptoir, j'ai pas dit du temps plein. J'ai dit du temps. J'ai dit du 20-25 heures. J'ai dit 3 jours, j'ai pas dit 5. J'ai dit 5 au bureau, j'ai pas dit 5 au comptoir. Donc ils disent, ah oui, mais vu que le poste du bureau c'était un temps plein, moi mais au comptoir aussi, lol, voilà. D'ailleurs, juste, je te coupe dans ton histoire, mais Adé il est pas là aujourd'hui? Enfin, il vient pas? Bah, il doit sûrement dodo, là. Il fait comme toute sa semaine de cours, donc il est fatigué à la fin. On prend le pauvre petit. Comme nous tous, tu sais. Mais par contre, l'après-midi, c'était trop bien. J'ai passé 3 heures dans la salle... Non, non, c'est pas vrai. J'ai pas été que dans la salle des archives. Mais j'ai fait de la... Bah, du tri de nouveaux... J'ai fait du tri de documents, bien sûr. Et j'ai appris à faire des nouveaux dossiers. Donc maintenant, j'ai créé des nouveaux dossiers pour des nouveaux clients qui venaient s'inscrire, etc. Donc j'ai créé leurs dossiers et je les ai rangés dans les archives, dans un nouveau petit espace dédié juste pour eux avec leurs petits documents d'adhésion etc rangés. Donc, j'ai fait ça va durer 2h30. Et là l'autre demi-heure c'est j'ai fait un petit peu de la visite des lieux pour montrer un petit peu parce que moi je pensais naïvement que la salle des grandes archives allait être la seule salle d'archives. Mais il y a évidemment une autre pièce au même au rez-de-chaussée dédiée au dossier d'épargne crédit.
qui est aussi grande que celle des grandes archives, avec autant de dossiers. Et il y a également au premier étage, il y a une plus petite salle pour tout ce qui est gestion de patrimoine, etc. Qui est plus petite, mais qui a aussi des petits dossiers. D'ailleurs, le premier étage est trop beau. C'est du genre de la belle déco, c'est vraiment du mobilier de luxe, entre guillemets. C'est l'étage. Donc, tu sens que c'est l'étage, tu sens que c'est là qu'il y a qu'il y a plus les têtes pensantes, on va dire. Hein, voilà. Je vois ce que tu veux dire. C'est l'étage, quoi. Ok. Alors, je sais plus du tout le parcours de ce donjon, je tiens à le dire. La team randomizer en train de se mordre les couilles en ce moment en voyant mon parcours. Parce que personne ne regardera. Je m'amuse. Misra, on entend ce que tu regardes. C'est pas grave. Ça vous gêne? Oui. Ah. Mais moi, je suis quelqu'un qui est gêné partout, n'importe quoi. De toute façon, vous me connaissez, je suis insupportable dans la vie, donc bon. C'est moi qui suis. Ouais, ça, on avait bien compris. Après, je t'ai pas trop demandé ton avis, mais tranquille, tu peux donner si tu veux. C'était... Mais juste, faudra pas pleurer des conséquences encore. Faudra pas dire oui, t'es méchant avec moi, nani naner. Y'a pas de soucis, t'inquiète, je parle en plus de ma cause, t'inquiète. Oui, bah, connais bien la cause. David, ils ont les atomes, c'est ce qu'on appelle les atomes crush. Non mais c'est, ils cherchent aux embrouilles. Les atomes crush. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Oui. Probablement. Ouais. T'as pas pris la tenue, celle-là? Quelle tenue? Y'a pas de tenue dans ce palais? C'est pas la tenue bleue, là, non? Oui. C'est pas ça, non? Je sais oui, plus. Mais il me faut la grande clé pour l'avoir. Parce que dans les... c'est vrai, il faut les clés. C'est le seul Zelda du monde, il faut la grande clé pour ouvrir les grands coffres. Savoir pourquoi ils ont fait ça. À savoir que dans Solarus, c'est possible à faire. Hein. Dans Solarus, un coffre, tu peux le fermer à clé, David, si tu le sais pas. Tu peux bloquer un coffre. Tu peux dire, il te faut tel objet pour ouvrir ce coffre-là. Tu peux le faire. C'est faisable. Perso, je ne le ferai jamais. Mais c'est faisable. Sache que c'est faisable. Alors, vu que je sais pas si le truc de faire passer le grappin à travers les blocs marche dans cette version américaine, je vais le faire à la normale. Et ainsi, j'aurai fait tous les coffres de Ice Palace, normalement. Je sais pas, j'ai pas eu l'idée tordue de le faire. Moi je trouve ça stylé. Et je le trouve trop beau en bleu en plus. Moi aussi je le trouve incroyable, je regrette à chaque fois qu'il est en rouge. Ah et moi aussi, la même chose. La même loulou. La commande fort. Ah tu fais attention à pas te faire de boucle infinie par contre. Parce que bon, ça peut très vite être fort de café. Oui. Mais c'est du café très serré, hein. C'était pas drôle. Putain, il a XD, quoi. Bah oui. C'est très impressionnant. Fort heureusement. On se rappelle de ce fameux passage où Olivia a pété les plombs, hein, bien sûr. Encore la faute du J'ai GTS. J'ai pété les plombs, c'est ma direction. Ma direction. Ah ouais, on peut faire ça. Le bout, putain, j'avais pas. Ow! Pouip. Arrête, cassez-vous. Mais cassez-vous de là. Oh bah voilà, bah de mieux en mieux, allez hop. On va dire non, oui. It was the wrong one. Il est mauvais. Vous êtes mauvais. Merde. Attends. Je suis en train d'halluciner. C'est où encore? La paradoxe! Oh, il a plus fait de randomizer depuis 20 ans, ça y est. Bon, je regarde, il y a quoi comme stream pour savoir quand est-ce que je stream Mario Wonder, du coup? Bah moi, comme je t'ai dit, je t'enverrai mon horaire, mais je vais sûrement faire... Il y a des chances que je fasse... je fais ça, je travaille tous les jours. Enfin, je travaillerai, j'essaierai d'enlever au moins un deck de 5 jours parce qu'il faut pas deck, mais... Ouais. Mais le problème c'est que c'est quand même de nous dire, bah non, l'horaire il a été fait, on peut plus changer. Oh, ah donc. Bah du coup je tomberai malade, on va la foutre.
pas malade. Zélo qui fait déjà des arrêts maladie. T'es pas malade. Est-ce que je sais encore le faire, tu crois? Bien sûr que oui. Vous avez réussi. Qu'il est fort ce Zelda, qu'il est fort. Pompable. La Spiral Cave. Bah super hein. Ah bah bravo. Moi je fais les bruits, moi je fais les sound effects. Vas-y, moi je fais la musique. La spirale infernale. Oh, ouais, bien sûr. C'était Lulu qui faisait le bruit du héros qui tombe. Ça vous choque? Oui. C'est quoi ce bruit? Oui, je vais prendre décalé parce que moi j'ai pas le stream. Bon, cette cave peut être très chiante si je rate. Mais non, vous allez pas rater, Zelda. Wesh! Oh, j'ai raté! Oh, c'est pas grave. D'où vous avez raté? Vous avez triché, vous avez traversé un cube, t'es de ma gueule! Bah, j'en ai traversé juste un, fallait en traverser deux. C'est pas grave. Oh! Vous en avez quand même traversé un, quand même. Oui. C'est beaucoup, quand même. Comment diminuer le nombre de viewers? Je suis sale. Hein, diminuer le nombre de viewers? J'ai pas compris. C'est à cause de Wizard, c'est ça? Je trouvais pas qu'il est déjà assez bas. Je plaisante, Wizard, ne pleurez pas. Non, mais Wizard, vous écoutez sur ce stade-là. Vous êtes sûrement mute. Oui, probablement. N'est-ce pas, Wizard? Ah, peut-être moi aussi. Il va dire de quoi? Moi aussi. J'ai un chapeau. J'ai un chapeau. Chapeau. Bon, on va avoir bientôt fait tous les checks du Dark World avec toutes ces bêtises. Merde. Ah bah je suis dans la chiasse. Mais y'a pas un truc pour traverser normalement, tu peux marcher dans le vide. Ouais, c'est pas là. Ah oh. Pardon. Ah. Tintin. Voilà, c'est là. Ouais, pas mal. Presque en concordance. Presque. Ouais, j'ai plus qu'un quart de cœur, j'ai tous les quarts de cœur du jeu, je crois. Qu'est-ce qui me va? Il doit me manquer un truc à la Kong. Je sais pas. Ouais, elle va pas en mode 7. C'était le futur. Elle est trop bien cette musique en vrai. Elle c'est trop... vraiment la meilleure musique du jeu. Elle est trop bien. Elle est trop bien la musique. Vraiment, elle est trop bien. Vraiment. Elle est incredible. Pardon. Incredible. Ça m'arrive. Alors, je pense que c'est un truc lié aux bouteilles en mode j'ai pas fait tous les checks des bouteilles. Non, c'est peut-être ça qui doit jouer tout simplement. Ouais, c'est vous. Il y a Super Mage. Roman.
Après, si ça se trouve, la raison va être trop touchante. Tu vois, Loulou, en mode, ouais, on a besoin de vous. C'est vous. Vraiment, en pensant à vous. À secours. On a toujours besoin de vous, Zelda. Ouais, du coup, je veux bien croire, mais ça me fait chier quand même. Merde, j'ai pas fait mon copier de fichier. Ah, mais je le sais où il est le quart de cœur qui manque, s'il est sur la route. Ah, mais c'est bon, j'ai tous les cœurs. C'est gagné. C'est gagné, Lolo, c'est gagné, c'est la victoire. Bien joué. C'est tout gagné. Merde, il est dans le mauvais sens. Pas de l'autre chose. Ça l'a quand même beaucoup. J'ai jamais su comment les joueurs de Randomizer ils arrivent à grab la torche de droite. Vraiment, je sais pas comment, par quel miracle ils arrivent à la grab à chaque fois. Quelque chose que je comprendrai jamais. En même temps, je finissais jamais une scène en 2 heures. Savoir que maintenant finir une scène en 2 heures, c'est devenu un truc de casual gamer, de past. Maintenant les champions ils font 1h30. Avant c'était 2 heures, ouais c'était bien. Maintenant on fait 1h30. Parce que 2 heures c'est casual. Voilà. On va le faire avec le Zelda MSU quand même. Vous en pensez quoi? D'accord, moi, ce que j'en pense, ouais, ah non, je peux pas donner d'avis. Demande à Wizard, le Zelda MSU. Je le savais qu'il allait emmerder son monde. Il le savait. Et puis, hop, le setup est perdu, de toute façon. Aïe, aïe, aïe. Pas facile, ce jeu. Fous de ma gueule. Un Ace à côté de moi, il ferait une petite space bar là pour passer plus vite ça. Là. Space bar. Ah bah Zelda AD quoi. Zelda Kun quoi. Oh le vol. Ah ouais, mais on est sur un très bon price pack avec cet ennemi là. Qu'est-ce qui se passe? Price pack. N'empêche, heureusement qu'on connaît la route, hein, sinon c'est dangereux, on se va m'en chier. Oh. Ah, des trucs. Yay. Je voulais pas rentrer dedans. C'est pas grave. Voilà, c'est ça, c'est le dernier quart de cœur du jeu. Donc les 7 cœurs qui manquent, c'est les 7 cristaux.
Incroyable, non? Bon. Va falloir que je fasse ça pour faire mon copie de film. Ma copie. Copy player. Donc là, ça m'a emmerdé de faire ça quand même, parce que je reprends de bien loin, faut tout refaire. Mais... au moins, ça me permettra de... quand j'aurai certains défis sur les boss à faire, au moins, je pourrai les... je serai à l'abri. Ce sera pas trop long de la route pour les faire. Bah, allons-y. Refaisons la route, on a que ça à faire. À faire. C'est la faute du TTS. Écoutez, je vous propose qu'on fasse Trinex et qu'après on arrête pour aujourd'hui. Ce sera pas mal, il est déjà 2h du mat quand même. Hein. Bah ouais. On fait Trinex et on arrête. Puis on va regarder l'Opoke. On accusera. Non, regarde pas l'Oppo, qu'est-ce qu'il va regarder Mario Wonder. Moi, je voudrais que vous attendiez mon stream. Quoi comme objet? C'est quoi l'objet qui est là? Ah, c'est ce filet. Attends, Swordless, je peux... oh, c'est trop tard. Je peux le faire. Je peux le faire, Swordless, la tour de Ganon. Je viens de penser à ça. Je donne mon épée. Oh, et merde. Oh, oh là là. On se l'enlèvera. On se l'enlèvera. Puis merde. Oh. Je suis à la con. Là, je suis vraiment pas content. Là, je suis vraiment pas content. Là, je suis vraiment pas content. Oh. Là, il va la refaire le jeu encore. Oh! Je vais tout calmer. Je vais tout péter. Évidemment, je m'y attendais, c'est ça le pire. Je le savais. Je savais que ça allait. Va trop vite. Bon, du coup, il va falloir faire le défi de Trinex. J'espère que vous êtes prêts pour le défi de Trinex. Magnifique, incroyable. Gauche, ouais, c'est tout gauche. Pièce qui est une horreur d'ailleurs, hein, un jeu normal. C'est une horreur cette pièce. Mmh.
Enfin, même si c'est possible sans potion verte de le faire, ce truc-là. De toute façon, je peux m'en battre les couilles, je peux ramasser les bouteilles. Ah bah non. Tous les coffres de ce donjon là. Ça se passait une dingue. Ça. Je le savais, je le savais. Allez, tape dedans. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et du coup, il faut tuer. Ah, ça va être. Oh, ça va être très amusant le défi de Trinex. Faut voir si j'ai la magie pour le faire en fait, parce que je suis même pas sûr d'avoir cette magie. Je sais même pas si c'est faisable. Heureusement les bestioles sont déjà faites, hein, parce que sinon on aurait... Mais oh, cette baguette de glace, c'est vraiment une fraude. C'est vraiment une fraude la baguette. Genre, je touchais pas la tête de feu là. Genre, c'est arrivé 2-3 fois, c'est passé dedans. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, hein, à un moment donné, ce jeu de merde. Vraiment arrêter, hein. À un moment donné, la hitbox, faut arrêter. Faut arrêter de fumer la hitbox, en fait, vraiment. Je sais pas s'il y a de la légère de magie ici. Bon bah, elle revient sûrement. Là ici, la régène de magie, je sais pas. C'est dur pour les nerfs. Hein. Est-ce qu'elle revient là? Ah, mais attends. Je fais ça. Ouais, ça a dû là. Ça a dû faire comme si je l'avais pas utilisé deux fois. Tout va bien. Pas énervé. Ah, j'ai tué une tête. Maintenant, on va chercher. Repose le fer comme un bon camp. C'est bon, je l'ai enfin. Bah ouais, mais ouais, je sais pas comment tu fais, hein, du coup, officiel. Hein. T'es censé tuer chaque tête. Avec la chaque baguette, mais si t'as même pas la magie pour le faire, comment tu veux faire, quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre une bouteille. Quel enterre, quel emmerdement, quoi. Si ta magie remontait toute seule dans le jeu, ou si t'avais des régènes de magie sur le boss, pas tellement bien. Mais non, on est encore dans les Zelda où c'est mal branlé, le design. Rien de plus horrible, hein, ça, d'ailleurs, faire que le boss... Oh, tu peux pas le faire. Oh, bah tu meurs, en fait, tu peux rien faire. C'est génial, comme jeu. Rien de pire que ça. Vraiment, sur les boss. Bon, on va essayer, peut-être que j'avais juste pas mis assez de... Peut-être que j'avais utilisé la magie sur la canne de Samaria, puis il y a des coups qui ont raté. Peut-être qu'il faut être petit, mais... J'y crois pas une seule seconde.
Là, la magie que j'utilise, quoi, déjà. Attends, quoi, y a le cadre disparaît, il y a une condition, faut pas se faire toucher en plus de tout ce bordel, c'est ça que tu es en train de me dire, le jeu, ou... Bon, on va le faire normalement, et puis ça ira très bien. Ouais. À un moment donné, de toute façon, j'ai perdu, J'ai tout perdu. Ah, c'est ouf. Bah ouais. Ah, parce que le truc disparaît en mode t'auras pas assez de magie, il le sait quoi. Hein? Mais c'est largement possible avec une potion verte en fait. Le problème c'est que la potion verte, une fois de plus, nous fait prendre une bouteille. Et je rappelle qu'il y a des putains de R.A. Qu'un R.A. pour finir le jeu sans bouteille, c'est très bien de faire que les R.A. ont pas de cohérence entre eux. En mode tu veux pas tout faire en une fois, c'est vraiment génial ça. Qui est encore ici derrière la con. Bon, dernier essai, après on le fait normalement, parce que ça me casse les couilles. Voilà. De toute façon j'ai mon backup, j'ai ma sauvegarde, là je change de bouteille, on le fera, putain. Voilà ce qui va se passer. Ça te prend vraiment des cartons de magie, quoi. C'est vraiment hallucinant. Hein. Incroyable, quoi, le truc. Bon, allez hop. On s'en bat les couilles. Enfin, et puis, c'est plus simple. Je pense que même en. Pour le coup, c'est un truc en rando. Que même en rando, tu n'as pas en rando, tu fais les têtes à la bombe. Au marteau, hein, quand t'as l'épée de. Pour prendre la S sera dans le premier, je m'en débarrasse. Mais c'est lui que je dois faire en premier, mais non, je pense que. Non, mais regarde la magie que ça te prend pour détruire une tête. Genre c'est du cirque. C'est du cirque. Ça leur tentait vraiment pas de remplacer les pics par des pots qui dropent de la magie au besoin. Je suis énervé ça. Je voulais pas m'énerver. On est là. Pas de chance. Bon allez. On en finit. Incroyable Mario Wonder, genre vraiment, pas de préférence. Ah parce que vous regardez du coup. Non, c'est que j'ai regardé la bande-annonce, mais oui, il a l'air incroyable. Attention parce que Tears of the Kingdom aussi il est incroyable. Non mais Tears of the Kingdom c'est pas le même style de jeu, on parle d'un jeu de plateforme, je suis pas très fan des jeux de plateforme, mais celui-là vraiment, mais waouh. Pas mal! On va peut-être mourir! Ah non, mourrez pas. Mais du coup, vous faites le boss là, Zelda? Ah oui, j'en ai. Vous voulez pas le badge? J'en ai marre. Tiens, j'en ai marre. Allez hop. Non, mais le défi, il me faudra un flacon pour le faire. Vraiment, il me faudra un flacon. Sans flacon, je vois pas comment tu fais. Donc. Ah oui, non, bah oui, t'as Zelda du coup, mais non, c'est bon, en fait, je suis con. Zelda en premier. Oui, Zelda en premier, comme t'avais dit, oui.
Ouais, mais il y avait quand même un défi lié à lui. Mais il me faut une barrière, il me faut une bouteille pour... Il me faut clairement des bouteilles pour le défi. T'as clairement pas assez de magie pour le faire. Je sais pas comment tu fais. Voilà. Bien. Bah voilà, la prochaine fois, on va faire les 6 autres boss, là, et on fera la tour de Ganon. Ah. Et on va pas péter, ils vont pas péter les plombs, bien sûr. Cependant... Il y en a 1h35. J'ai quand même envie de faire le défi. Faudra pas oublier de publier votre screen de la semaine, hein, Zelda. Screen de la semaine, dimanche. Sur le Solarus. Dimanche. C'est tous les dimanches, ok, parce que je savais pas, parce que j'ai très hâte de voir la suite. Je sais même pas quoi montrer. Ouais, c'est pas obligé de montrer toute la semaine, hein. Non, c'est vous dites juste que vous avancez dans le jeu ou que vous avez pas, vous pouvez juste parler, hein. Non, mais c'est juste que cette semaine, j'ai pas fait d'avancer parce que j'étais beaucoup pas là. Mais là, bah, ce week-end, je vais pouvoir rattraper. C'est ça qui est bien. Yay. Bon, on en prend combien des bouteilles? 1, 2, 20, 10, 30, milliards. Mais je croyais qu'il vous fallait pas de flacons, Zelda. Non, mais c'est... En fait... Ah, oh, c'est compliqué. C'est compliqué de tout expliquer. Oui, vous avez la flemme, je comprends. Il y a pas de souci, monsieur Zelda. Il y a pas de souci. Je sens que vous m'aimez pas dès le départ, il y avait pas de souci. Je suis votre collègue de toute façon. Qui suis-je? Je rigole. Il vous a tellement dans le vrai, en plus, c'est ça qui est... Non, mais... On a l'impression que vous me lisez dans mes pensées. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé, Waouh. On aurait dû faire un RA du coup, ramasse toutes les bouteilles en moins de 10 minutes. Ça, vous êtes capable de faire, y'a pas de problème. C'est où le bar? Bord. Il est là. Le bar à... J'allais dire un truc, mais... Le carap. Le bar à... Ah, j'ai fait tous les checks du Light World. Alors, Lightning pas World. Vraiment. Parce que... Enfin, c'est pas vraiment les checks, du coup, c'est les... Ouais, c'est d'accord. C'est juste les coffres. Donc il y a des coffres dans le Dark World qui manquent. Mais ça, c'est muté. Ça veut dire, et ça, c'est très perturbant. Mais non, c'est muté. C'est très perturbant qu'il y ait des checks qui manquent dans le Dark World. Faut trouver qu'est-ce qui me manque comme connerie. Je remets mon ému en 4K, là, parce que ça va pas du tout. Peut-être que c'est lui. Vas-y. Mets la 4K. La 4K. On est où, là? Faire le coffre de lui, on sait jamais qui me donne quand même de quoi j'ai fait tout le truc de Dark World, ce serait ça de gagner. Oui. Oui. Ah oui, dis donc. Même si bon, c'est pas vraiment un coffre. Soyons fous. Ah, j'ai tous les items maintenant. Oups. Est-ce qu'elle considérait ça comme un coffre de Dark World que j'ai ouvert? Je sais pas c'est quoi le dernier coffre du Dark World qui me manque. Étrange. Alors, des les bêtises. Bon, on va prendre des bouteilles bleues tant qu'être là. Avec tout l'argent que vous avez, vous pouvez, hein. Oh, j'en ai pas rien à foutre à ce stade-là. Et prends une barre quand même. Voilà, ça va cuite moi ça, comme ça on a bien niqué la sauvegarde. Voilà. Oh no, what did you do? What did you do? C'est vrai qu'il donne les cœurs le petit papy. Ouais. J'aime bien ça. Fais des petits bisous. C'était là que je voulais faire. Les bisous de papy. Ah, pas mal ça.
Bah du coup vous avez pas le cristal Zaldo? Bah non, parce que j'ai fait un slot en prévention 2. Parce qu'il faut finir le jeu sans bouteille. Oh non. Donc là j'ai fait, je me suis rendu compte qu'il fallait des bouteilles pour le défi de Trinex et il faut finir le jeu sans bouteille. Donc j'ai fait le boss, et j'ai copié ma sauvegarde, enfin avant de faire le boss j'ai copié ma sauvegarde. Ouais mais j'ai compris, voilà, t'embête pas mon petit Zeldo. Voilà la raison. J'ai compris, right now it makes sense. Le problème c'est qu'il y a un truc que j'ai pas anticipé, c'est que là, il y a un R1 pour faire la GT Swordless. Ah ? Il y a un R1 pour faire la GT sans épée. Bah tu veux faire comment ? Ah ils font contre la veille. Bah il faut la donner au forgeron pour avoir l'épée 3 plus tard. Le problème c'est que j'ai déjà fait la quête des forgerons vu l'épée 3 que j'ai. Donc il va falloir que je recommence le jeu. Oh putain. Oh, putain. À moins que j'arrive à... comme m'enlever l'épée à Mano là, mais c'est pas ça. Mano. C'est ça le problème. Ah ma Mano. Mano, Mano. On va demander à Hades si ça marche de faire, si on enlève l'épée à la main, est-ce que ça marche? Je pense pas, parce que la dernière fois que tu voulais faire un bug... Ouais. Ça a fucked up. Ouais. Ah, mais... Fucked up. Effectivement. Pourquoi je vais là? Parce que c'est joli. Bon, le bouclier miroir ne sert à rien. Donc, on va partir sans. De toute façon, vous l'avez pas. Ouais, justement, on va pas aller le chercher. Allez hop, on se casse. Voilà, on l'a pas cherché, le bouclier miroir, rien à foutre. Sans qui a besoin de bouclier miroir. Oh bon. Oui j'avoue. Oula. Dans la tête là, tout le monde. Mais oui. Elle est fort pratique cette baguette quand même. Hein. Ouais. C'est pareil d'ailleurs, pour savoir que ça fait apparaître des plateformes à ce moment-là du jeu, c'est devinetto. Hein. Ça t'explique jamais. Mais c'est trop fort, wesh. Ouais. Tellement fort qu'il passe à travers les machins. Bah ouais, vous trichez quoi. Mais c'est comme ça que tu devenu fort, c'est en trichant. Bah de toute façon, pas le choix. Hein. Bah ouais. Comme tout le monde, tu me diras. Ouh, pardon. Ça, c'était pas de la triche, par contre. It is what it is. Aïe 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 hop, le truc à 20 milliards de PV, dès que tu fais pas des circulaires, on se met quoi? Je pensais qu'à circulaire c'était deux fois les dégâts de coup du slash de base, mais faut voir que non. Bon bah, allons-y. Let's go. Allons-y, let's go. Tu vas comprendre pourquoi t'as pas le choix d'avoir une putain de bouteille. Hein. Oh la vache. Voilà pourquoi il me fallait une putain de potion. Pour la magie, j'en avais jamais assez. Et c'est pas fini, Michael. Ça
va être long avec le matos. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas mignon. Pas du tout, ce sera pas du tout. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ça, validé, bon... Validé, monsieur Hera. Bon, ça, truc très chiant, mais en vrai, quand tu as fait du rando et du sur de l'Est, franchement, facile. Ouais. C'est sûr que comme ça... Non, faut me le valider, là, à un moment donné, Hera. Il l'a validé, il l'a validé. Non, il l'a pas validé. Maintenant, il... Si, si, j'ai vu. Ah oui, d'accord, c'est ça qui doit s'afficher. D'accord. Hop, ça dégage. Allez, ça dégage. Let's go. T'as eu une cuite. Seven quite. Enfin, pour arriver à 94, faudrait faire un dernier R1, quoi. Mais quel R1? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, retour à la sauvegarde, on n'a rien. Ah. 11 sur 15. Ah bah oui! Ah bah voilà, je sais ce qu'on va faire. Shady collection of an old treasure. Je sais c'est lesquels qui me manquent. On va aller les ouvrir tout de suite. Ferrer. Bah voilà. Quand tu cours. Il y aura facile. Par contre, pour cette Gun Tower en Swordless, il va falloir que je réfléchisse. Oh, Swordless! Ouais. Mais ça va pas bien ou quoi? Vous êtes suicidaire, monsieur Zeldo. Mais il va falloir que je réfléchisse à comment le faire, vu que j'ai mon épée 3 déjà. Je crois que je joue avec AD. Peut-être qu'AD, il va ça. Ou bien il va falloir refaire le jeu. Oh là 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 là. Oui, elle, là. Ils sont là, mes 4 coffres qui manquent. Ah oui, d'accord. Ah. Voilà. Shady Collection, tu sais que c'était bloqué. Et voilà, facile. Bravo, easy one, en vrai. Easy one. Ah merde, j'aurais pu faire ça aussi. Ça, il y a tellement de trucs en vrai. Ah, c'est juste le défi des boss qui me manque. Ouais, tu vois, c'est celui-là. Et ça... Voilà le problème, quoi. C'est un problème. Faire venir le jeu sans bouteille, ça va. Faire la tour Swordless, ça se fait. Mais le problème, c'est que... Après, je pense que c'est un truc qui vaut beaucoup de points. Alors qu'en vrai, c'est pas dur à faire, je trouve. Mais... Bon, bah voilà, 94-0, excellent. Donc, prochaine session, semaine prochaine, on verra, on va se mettre ça. Peut-être, vu que je fais les 5 jours, lol. Peut-être, LOL. Peut-être lundi. Lundi, mercredi, peut-être. Et lundi, mercredi, je crois. Vu que c'est les... C'est les trucs creux, là. Puis, je me dis... puis, peut-être vendredi, je ferai un stream, peut-être pas. Je verrai bien. Je prendrai ces 3 jours-là, là, je verrai bien. Ou AD a demandé mardi ou mercredi pour le créneau, bah moi je prendrai le mercredi. Du coup, il lui pourra prendre le mardi. Bon. Et moi je vais stream, je pense, beaucoup la semaine prochaine, parce que je vais faire Mario Wonder. Je pense que je vais commencer dimanche déjà. Ah bah allez-y, faites-vous plaisir. Dimanche là, vu que personne stream dimanche. Ouais. C'est le jour du samedi. Enfin, dimanche c'est un jour libre quoi. Ouais, au revoir YouTube! Bisous YouTube, love you, bye! Au revoir, bye!